Salut les terriennes. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Quatre terriens de choix avec nous ce soir. Isabelle Iturburu, bonsoir. Alors Isabelle, quand on vous voit, on se dit heureusement que Canal a gardé les droits du rugby. Sinon, vous seriez sur beIN Sport et voilé en plus. Henri Guaino. Henri Guaino, bonsoir. Vous êtes député des Yvelines et pas des Yvelines, comme vous disiez au début. Alors, vous n'habitez pas les Yvelines, mais les Yvelines habitent en vous. Oui. C'est du Guaino, ça. Presque. Bernard Lavilliers. Bernard, nous sommes très heureux de vous recevoir. Bernard Lavilliers, éternel chanteur, baroudeur, explorateur des jungles amazoniennes et urbaines, qui se déplace uniquement en jaguar, pas la caisse, l'animal. Et Kaaris. Kaaris, bonsoir. C'est marrant comme nom. Kaaris, ça fait plus modèle de Toyota que rappeur, non? Il a souri quand même. Bon, très bien. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Lucienne Moreau, la mamie du Petit Journal, devenue star télé et radio star à 80 ans. Nous sommes ensemble sur Terre jusqu'à 20h25 avec les gréments de fortune. Alors Bernard Lavilliers, bonsoir. Bonsoir. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Ah oui. Quoi de neuf? Combien de tatouages? Combien de nouvelles drogues? Combien de bagarres au couteau dans des bouches de Bogota? Deux, simplement. Deux, c'est tout. Ouais. Alors, vous portez votre légendaire pantalon en cuir. Il n'y a plus que vous et Pierre Sled, hein, ça. Justement, je voudrais rester le dernier. Vous faites toujours de la muscu, hein? Je fais toujours de la boxe, oui. Ah, et de la boxe. Vous avez commencé à 13 ans, la boxe. 13 ans, oui. Ouais. Et alors, vous avez été marié avec Lisa Layanne. Hein, ouais. Là, vous en avez fait de la muscu, là. C'était une femme extraordinaire. On voit que ce côté-là, hein. Ouais. C'était une intellectuelle, c'était quelqu'un d'assez étonnant. Mais quand on est avec une femme comme ça, dans un lit, ça doit faire tout drôle dans les muscles. Je sais pas. Non, non, au contraire, c'est très agréable. On s'y fait très bien. Ah, oui, oui. Mais quand elle vous prend dans ses bras, c'est... Je sais pas. Je sais pas ce que vous imaginez pour l'instant. Ah, j'imagine plein de trucs, vous me connaissez. Ouais. Alors aujourd'hui encore, faites travailler vos bras. Vous chantez avec un micro de 25 kilos, il paraît. Alors, il y a une légende, Bernard Lavilliers, évidemment. D'abord, naissance sous le nom de Bernard Houllion, en 1946, à Saint-Étienne. Votre père bosse à la manufacture d'armes. Votre mère est instite. Vous grandissez dans une maison pleine de livres. Et très jeune, vous lisez des poètes, quoi. Effectivement, des poèmes peut-être un peu supérieurs à mon âge, au niveau de la compréhension. Baudelaire. Ouais. Prévert, c'était plus accessible. Oui. Et puis beaucoup d'autres, René Char, tous ces gens-là. Ouais. Alors, c'est vrai qu'à cette époque, faute d'accès à la richesse, la génération de nos parents avait accès à une certaine culture, d'une certaine façon. C'est vrai. Ouais. Mais c'était les revendications des communistes. Mon père était communiste, en 1936, c'est-à-dire accès au loisir et à la culture. Ouais. Ça s'appelait comme ça. Ouais. En réalité, on faisait du sport et il y avait quand même des compagnies théâtrales qui se montaient. Ouais. On allait voir Jean d'Asté. Et puis Roger Planchon, ouais, qui nous jouait Brecht dans les usines. Enfin, c'était tout un mouvement culturel qui a un peu disparu, sans doute, de nos jours. Alors, vous faites un peu de lycée? Mais pas beaucoup. Un an de maison de redressement. Ouais. Pourquoi? J'étais un peu turbulent. Ah ouais? Vous aviez frappé quelqu'un? Ouais, plusieurs, peut-être. Mais c'était dans un but purement lucratif. Alors, vous voulez devenir boxeur, ouais, ou comédien. Et à 16 ans, vous faites un deal avec votre père. En fait, vous entrez en usine, ouais, comme ouvrier P3. Exactement. Bien. John Lennon. Alors là, vous dites, on transformait l'acier, on se plaignait pas, on était fiers. Ah oui, je suis resté 3 ans dans cette usine. Avec 7000 ouvriers, ce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Alors, à l'époque, vous avez une carte CGT, hein? Ben, mon père était responsable de la CGT, ouais, de l'usine. Donc, j'avais une carte à la CGT, mais je n'étais pas communiste, ouais, du tout. Pas étonnant que vous ayez soutenu les travailleurs de Florange, Bernard. Ah non, c'est normal. Moi j'y crois parce que ces gens-là ont une force incroyable. Et puis, oui j'y crois, je suis pas venu à l'enterrement. Je pense que c'est possible. De toute façon, ils m'ont expliqué que c'était possible. Alors, si ça ne l'est pas, c'est que le gouvernement fait pas trop son boulot et que Mittal est encore plus puissant qu'on imaginait. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini, quoi. Oui, c'est un peu râpé. Ouais. Alors, Hollande, vous avez toujours refusé de le rencontrer. Oui. Si ça se trouve, il est sympa, c'est juste en chômage qu'il est nul. Oui, oui. Il a un problème, Hollande. Il dirait un vieux proverbe stéphanois qui dit « Dis jamais du mal des riches, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. » Alors, à 67 ans, est-ce que vous levez le poing aussi facilement qu'avant ou c'est un peu plus douloureux? Ah, vous voulez dire à cause de l'arthrose? Oui. Non, non, je lève toujours le poing assez facilement. Toujours. Oui. Alors, c'est à cette époque, donc à l'usine, que vous commencez à chanter vos chansons à vos camarades, vous organisez de petits concerts et vous partez au Brésil. Oui. Voilà, pour devenir docker au départ. C'est le début de l'aventure. Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavilliers, ah si t'es obstétricien, ah donc tu l'as fait en 80. Bernard Lavilliers. Quelle star! C'est marrant parce que c'est des mômes, c'est les Fatal Picards. Ah, ils sont géniaux. Alors, vous êtes amoureux du Brésil, on a beau dire quand même, mais le bois de Boulogne, c'est vrai, c'est moins bien que le Brésil. C'est moins grand, surtout. Ah, j'ai un génial, moi. Alors, c'est marrant, quand vous parlez, j'ai tout le temps l'impression que des Indiens amazoniens peuvent sortir sur le plateau à tout moment. Vous avez une tarentule sur l'épaule. Et vous connaissez bien la jungle amazonienne. Ouais, c'est bien. Et Sarkozy voulait vous envoyer chercher Ingrid Betancourt, il paraît. Henri Guaino. Henri Guaino pourrait nous le dire. C'est vrai que l'émission Koh-Lanta a été inspirée de votre vie. Je pense pas, non? Non. Ouais, non. Alors, en Amérique du Sud, il paraît qu'il y a une position amoureuse qui porte votre nom, c'est vrai? Les filles disent « Fais-moi un Bernard Lavilliers », non? Celle de l'Anaconda, c'est ça? Comme Thierry Henry. Oui. Bien, alors, le dernier album s'appelle « Baron Samedi ». Alors, un album de Lavilliers, c'est combien de caipirinha, combien de bars malfamés, combien de nuits avec une femme à peau d'ébène? Toutes les nuits. Bon, on va regarder. On va regarder à quoi ça ressemble. Comme la moule, mon frère, tu es comme la moule, enfermée et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas seul. Voilà Bernard Lavilliers, Scorpion, extrait de son nouvel album Baron Samedi. Bernard Lavilliers qui sera à l'Olympia du 25 mars au 6 avril et en tournée dans toute la France. Il y a un morceau que j'adore, où vous parlez de ces mecs qui se font virer à 50 ans. Ah ça, c'est les mains d'or. C'est terrible, ça. Quelque chose qui me touche beaucoup, moi. Celui qui se fait virer à 50 ans, et on lui envoie un SMS pour lui dire que c'est fini, et qu'il ne peut pas se recaser, de toute façon. Ouais. Et qu'il a encore des mômes, peut-être qu'il essaie de l'envoyer à l'université. Et la maison à payer. Ouais, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup de choses pour un être humain. Ouais. Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Isabelle Iturburu, bonsoir. Alors, vous présentez Jour de Rugby tous les samedis à 22h35 sur Canal. Autant dire que pour vous, Wilkinson n'est pas un mec qui vend des rasoirs. Non. Alors ça marche très bien pour vous, hein. D'après une étude du groupe Canal, 38% des hommes qui regardent Jour de Rugby le samedi soir ne savent absolument pas de quel sport parle cette émission. Ce qui veut dire quand même que vous avez un certain attrait, il faut bien reconnaître. Ah, au fait, pourquoi il y a tellement de U dans votre nom? Il faut demander à mon père, peut-être. Ah ouais, c'est bizarre, tous ces U quand même, non? C'est très basque, hein. Oui, vous êtes basque. Je suis née dans le Béarn, donc je précise parce que ça vache. Voilà, y a les Béarnais sont fâchés quand je dis que je suis basque. Donc... Ah, d'accord. Mais elles sont comme ça, les Basques? Oui, il y en a des comme ça aussi. Il y en a des comme ça. Alors, vous êtes née à Pau, donc terre de rugby, évidemment, le 24 février 1983. Oui. Bah, c'était votre anniversaire, hein. Oui. Vous avez fait quoi? Pas grand-chose parce que je travaillais, mais ah, j'ai eu droit à un petit restaurant. Avec romantique. Votre mari, là, vous... Oui. C'était sympa quand même. Oui. Il a apprécié. Alors, vos parents tenaient une épicerie au Foirail, hein, et vous avez été Miss Pau-Béarn en 2001. Et vous avez de la chance parce qu'on n'a pas trouvé d'image. Non, mais... Et c'est dommage. En revanche, ah, on a trouvé des images de votre participation à la Nouvelle Star. Et c'est quelque chose. Alors, vous vouliez être chanteuse, quoi? Non, je voulais pas être chanteuse. Tant mais... mieux. Et non, non, je ne voulais pas être chanteuse. J'ai fait des études de commerce, rien à voir. Mais mon frère était bassiste et dans le sud, il y a beaucoup d'orchestres, bon, moins talentueux qu'ici, mais des orchestres qui font des balles, voilà, dans les villages. Et moi, ah ouais, je chantais dans un orchestre de balles. Comme Yann Folly, c'est un très bon départ. Ensuite, vous retrouvez un faux sport. Et vous avez épousé un rugbyman qui s'appelle Gonzalo Quesada, qui est un grand joueur argentin et qui entraîne le Stade français. C'est ça. Et aujourd'hui, vous présentez le rugby sur Canal. Exactement. Mais une femme qui présente le rugby, c'est bizarre quand même. C'est un peu comme si un mec mettait une crème hydratante, quoi, non? Mais il y en a beaucoup. Henri, vous mettez pas de crème hydratante? Oui, si, ça m'arrive. Ouais, ouais. Non. Henri Guaino met des crèmes hydratantes. Henri Guaino se fait épiler. Tu vois, la droite n'est plus... Non. La droite a changé. Épilé, non. Bien. Alors, Isabelle, on va faire un quiz. Dieu du stade. Ah. Regarde. Ça pourrait être Dimitri Adjvili. Bravo. Oh. Ça va pas plaire à mon mari, ça. Ça veut dire que vous avez tous vu à poil, en fait. Bah, j'ai vu tous les calendriers, chaque année, c'est une religion. Et celui-ci, alors? Ah, Jules Plisson. Jules Plisson, bravo, ouais, c'est vrai, il va être content. Et celui-ci? Mathieu Bastaro. Ouais. Bravo, ouais. Mathieu Bastaro. On continue. Alors, des Toulousains, il y a Frédéric Michalak et Clément Poitrenaud. Waouh! Ouais, ouais. C'est un piège. Oui. Il joue pas au rugby. C'est le piège. C'est Karabatic. Bravo! Ouais. Alors, je félicite Canal+. Ouais, ouais. Voilà, on est cultivés. Hein. De... Bon, le prochain. Pascal Papé. Allez, Pascal Papé, lui, c'est le capitaine. Capitaine de l'équipe de France. Oui. Attention, on continue. Wesley Fofana. Oh là là. Et le dernier, le plus beau. Oh, oh là là. C'est un certain Gonzalo Quesada, je crois. Avant que je le connaisse. Hein. Ouais. Je l'aurais pas laissé faire ça. Heureusement que vous le reconnaissez, parce que là, imaginez que vous avez reconnu tous les autres et pas lui. Hein. Il est pas mal, dis donc. Hey, il est beau gosse, hein. Voilà, c'était la période de SMT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie d'Isabelle Iturburu, de Bernard Lavilliers, d'Henri Guaino et de Kaaris. Alors Henri Guaino, rebonsoir. Bonsoir. Donc toujours député des Yvelines. C'est bon, là, vous voyez où c'est maintenant? Oui, ça va. Alors Henri, vous êtes en train de devenir le Mathilde Seigné de la politique. Vous quittez les plateaux en plein direct. Vous êtes à cran, Henri, hein. On va regarder. Vous permettez? Je peux finir? Moi, je ne vous ai pas interrompu, vous ne m'interrompez pas. Mais vous êtes qui pour ça? Vous avez fait quoi dans votre vie pour me dire que je suis indigne? Messieurs, s'il vous plaît, messieurs. Et c'est vous qui êtes indigne. On va revenir. Indigne de votre métier, indigne de ce débat, indigne du débat démocratique. On va revenir. Non, c'est une attitude inadmissible. Je ne veux discuter de rien qui n'est pas sur la table. Bon, je vous dis des bêtises, c'est pas... Mais dire des bêtises, c'est pas des insultes. Non, 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 c'est... Moi, je refuse. Vous n'avez pas la contradiction. Monsieur Cohen, je revois. Mais je vous ai... Je parle de bêtises. Je vous ai traité d'abruti, moi. Oui, c'est une abruti, excusez-moi. Bêtise, abruti. Vous venez de la traiter d'abruti. Non, non, on va parler quelques minutes pour changer des arguments sur ce sujet. La politique, pour moi, c'est sérieux. Je peux finir ma phrase. Non, mais pas quand vous me dites que je n'ai aucun titre. Vous voyez, moi, je me laisse pas piétiner. Mais c'est insupportable à la fin. Je peux parler, oui. Mais monsieur Guaino, il faut savoir. Il faut rester zen, monsieur Guaino. J'arrive pas à croire que c'est lui que j'ai vu dans la vidéo, en fait. Il est hardcore. Non, une remarque. Oui. Ce petit film mélange beaucoup de choses. Oui. Il mélange deux épisodes qui ont eu lieu il y a 2 ans et un épisode qui vient d'avoir lieu. Ça s'appelle un amalgame. Voilà, exactement ce que je voulais vous entendre dire. Ça s'appelle un amalgame. Et entre les deux, je ne me suis jamais énervé. Ah. Mais ceci étant, je comprends, parce que Romero et Lapix veulent vous faire passer pour un homophobe, alors vous êtes juste contre le mariage homosexuel, ce qui est un droit encore, j'imagine, en France aujourd'hui. On peut être contre, non? Je suppose, oui, mais ce qui m'a gêné dans cette émission, c'est cette volonté absolue de faire, de mettre en scène l'affrontement de l'homosexuel contre l'hétérosexuel. C'est-à-dire que la religion, la couleur de peau, le penchant sexuel deviennent des catégories politiques. Ouais. Eh bien non, ce ne sont pas des catégories politiques. Voilà. Donc moi, quand je vais faire un débat politique, je vais parler de politique avec des gens, je me moque de leur couleur de peau, je me moque de leurs origines sociales. Enfin, du moins, ça n'a pas d'importance dans le débat. Alors justement, 13 jours plus tard, vous publiez une tribune dans Le Figaro où vous dites « Je ne reconnais plus mon pays, il y souffle un vent mauvais, un vent de colère, de division, d'antagonisme. On n'a plus le respect de l'autre, on n'a plus d'estime de soi, de bienveillance et de civilité. » C'est vrai que les mœurs se dégradent à vitesse grand V, là. Oui, oui, je trouve. Je trouve que c'est quelque chose d'inquiétant qui devrait faire réfléchir tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir. Oui. Plus on a de pouvoir, plus on a de devoirs et de responsabilités. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que tous ceux qui ont du pouvoir, dans la société, dans la politique, dans les médias, exerce ses pouvoirs avec de moins en moins de sens et responsabilité. Vous dites qu'il faut que la France d'en haut, qui a des droits, certes, soit consciente de ses devoirs. Je peux comprendre que ce qu'on appelait avec un peu de condescendance la France d'en bas reçoive des leçons de rappel aux devoirs de la France d'en haut. Mais de temps en temps, il serait bon aussi que la France d'en haut se voit rappeler à ses devoirs. Alors, on vous sent un petit peu désireux d'ordre. Oui, pour vivre ensemble, on a besoin d'un minimum d'ordre, d'un minimum de règles, d'un minimum de principes, d'un minimum de morale partagée. Mais les gens l'admettent quand c'est dans un camping. Non, mais c'est vrai. Non, mais partout. Oui, surtout que dans la mesure où là, je sens poindre des extrêmes étranges qui, comme le disait Henri Guaino, qui se basent sur, par exemple, sur les juifs, sur l'antisémitisme, ou sur la couleur de peau. Mais ça rappelle des vieux violons, bien avant 1936, tout ça. Alors, il faut... Vous savez ce que disait Léo Ferré de l'anarchie. L'anarchie, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Alors, on n'en est pas encore là, sur le plan philosophique. Non, non. Alors, Henri, vous avez fait lire Chirac et Sarkozy. Vous êtes le José Mourinho des présidentielles, vous êtes le meilleur coach. Vous feriez lire qui en 2017, vous ne savez pas encore? Non, je ne sais pas encore, mais... Pourquoi pas vous, Henri? Henri, quoi? Vous êtes un mec sérieux, bien sous tout rapport. Non, mais franchement, vous n'êtes pas pire que les autres, moi je vous le dis. Oui, hein, non, mais... oui, ça... Non, non, mais je rigole pas. Vous n'avez peut-être pas tort, mais... Henri Guaino 2017. Non, mais... Pour que ça ne soit pas ridicule, il faut que des circonstances soient réunies. Aujourd'hui, elles ne sont pas réunies. Voilà, la réponse est simple. Si Nicolas Sarkozy est candidat, je le soutiendrai. Ah oui, Sarkozy. Non, mais c'est pas... J'avais oublié Sarkozy, on regarde. Si vous voulez qu'un jour on prenne 3 heures pour prendre une à une les décisions prises par Nicolas Sarkozy, on peut le faire. Sachez au moins que s'il n'avait pas été là, il n'y aurait plus de démocratie en France, plus de démocratie en Europe et plus de démocratie dans le monde, parce que Nicolas Sarkozy a affronté la pire crise depuis l'après-guerre. La pire crise. Et voilà. Et je peux... Vous voyez, c'est intéressant, là aussi. Ce qui compte, c'est la suite de la phrase. Ouais. Si effectivement il n'avait pas été là, le système bancaire se serait effondré français, mais aussi européen, parce que c'est lui. Il a arrangé le truc avec Gordon Brown en une nuit. Oui, avec Gordon Brown, avec il a réuni les chefs d'État et de gouvernement de la zone. Donc ça ne s'était jamais fait, c'était impossible. C'est lui qui a suscité la création du G20. Et sans cette action, le système bancaire mondial se serait effondré. C'est juste un fait historique. C'est vrai que, bon, vous, vous êtes une solution. C'est vrai que Sarkozy, en même temps, il va passer sa vie à accompagner sa femme dans les concerts. À un moment, ça va le gaver, quoi. Alors... Est-ce que Nicolas Sarkozy pourrait pas nous dépanner pendant 5 ans, quoi? Kaaris, rebonsoir. Alors, Kaaris, vous avez 31 ans, vous êtes rappeur. Vous avez pas mal galéré avant de percer. Mais depuis la sortie de Or Noir en octobre, là, c'est le jackpot. Hein, et vous revenez avec Or Noir partout. Voilà, Kaaris, donc s'appelle Sevran. C'est extrait de Or Noir 2. C'est du grand art. Vous êtes le meilleur. Ce sont les rappeurs. C'est pire que les politiques. C'est pire que les animateurs télé aussi. Alors, chacun de vos titres totalise des millions de vues sur YouTube. Hein. Ça va à 3, 4, 5 millions. C'est bien. Le problème, faites gaffe quand même, je vous le dis, de ne pas vous retrouver déguisé en marin dans Les Enfoirés en train de chanter avec Patrick Fiori, parce que... Là, ça risque pas, ça. Ça serait vraiment la honte, quoi. Parce que souvent, quand on a du succès, après, on finit dans Les Enfoirés. Pas toi. Pas moi, non. Pas toi, je sais. C'est en vrai, lui. Ouais. Personne dit du mal de votre album, hein, parce que vous avez des bras qui font 50 cm de circonférence, non? C'est comme mes cuisses. Comme ton ventre, je pense. Regarde. Bah, je connais, hein. Bah, tu connais, t'étais comme ça, toi, quand je t'ai connu. Peut-être pas autant, non. Ah, mais si, quand même. Alors, on peut voir la pochette de l'album, parce que là, vraiment, on dirait une pub pour des compléments alimentaires protéinés. Là, c'est plus du tout, là. Il n'y a pas de compléments alimentaires. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites pas de compléments alimentaires? Je suis bêté. C'est une ethnie ivoirienne, on est tous comme ça. Putain, c'est fort. Alors, Henri, voilà, vous me disiez que c'était de la gonflette avant l'émission. Ah ouais, tu m'as dit ça? Je parlais, si, j'y crois pas, c'est un tocard, il fait du pump-up, il prend des protéines. Ouais, une chic pour foutre le bazar. Mais assumez, Henri. Il a raison, Bernard, c'est du travail. Et moi, j'aimerais bien être comme ça à 67 ans. Ouais. Alors, Kaaris, vous ne faites pas de quenelle. Alors déjà, ça, c'est très bien. Déjà, bravo, parce que c'est vraiment un geste qu'il faut le dire encore une fois, est un geste antisémite désormais, même si ça n'était pas au début. En revanche, vous faites d'autres gestes, est-ce qu'on peut voir, voilà. Ça veut dire quoi, ça, par exemple? C'est un double fuck. Un double fuck? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, j'ai appris un truc. Derrière la télé, on s'instruit, vous voyez. Et alors, et ça veut dire quoi, là? Voilà, ça. C'est un signe de force, la puissance. C'est un signe de force, ouais. Je casse tout. Ouais, je casse tout, ouais. Alors, les socialistes avaient imaginé un truc, vous vous souvenez? Oui, mais c'était assez ridicule, quand même. Ils n'arrivaient pas. En fait, c'était... Ils essayaient de faire ça, ils faisaient ça, comme ça, ils... Et la suite a prouvé qu'effectivement, ils n'y arrivaient pas vraiment. Alors, en même temps, Kaaris, bon, vous êtes un peu imposant comme ça, mais sans barbe, vous faites beaucoup moins peur, regardez. Là, vraiment. Bon, vous étiez en concert hier soir... au Cabaret Sauvage, vous êtes en tournée dans toute la France. Alors, le problème, c'est que j'ai eu la curiosité de regarder les paroles. Alors, quand même, là, quand on écoute bien les paroles, c'est assez violent, quand même. Hein. J'ouvre une bouteille à chaque fois qu'il ferme le cercueil d'un flic, quand même. Elle est bien, celle-là. Hein. C'est un peu hard, quand même. Ça s'appelle une punchline. C'est le cas de le dire, ouais. C'est pas un peu beaucoup, non? Ben non, le monde est plus dur que ça. Ça va barder, paniquer ne sert à rien, je vais te niquer et forcer tes copines à regarder. Ça aussi, c'est lourd. Ah ouais. C'est soft. Ah, moi, je kiffe, moi. Mais t'es un mec hardcore, donc tu sais ce que c'est. Hein? Je vais me faire des sous, mais je suis paresseux. Ça, c'est... ça d'accord. Mais si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier, putain? C'est quand même... C'est pas mal, ça aussi. Bonne question, oui. Bonne question. Bonne question. Il y en a une qui est pas mal. Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. C'est pas mal, ça. Non, c'est un peu violent, quoi. Ouais, il y a de la violence, il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a un peu tout. Mais c'est vrai que le hardcore revient souvent. Je fais du rap hardcore, de toute façon. Pourtant, vous aimez bien Francis Cabrel. J'aime beaucoup. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, il aime bien Francis Cabrel. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. C'est joli. N'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire. C'est la plus belle déclaration d'amour qui existe. Mais c'est marrant. Donc vous aimez cette, vous aimez Francis Cabrel. Bien sûr, la mélodie. Mais attendez, quand ils l'ont su à Sevran, vous êtes obligé de déménager, non? Non. J'ai dû me cacher dans un coin pour le dire. Alors, pour montrer en fait que vous avez bon fond, Kaaris, on va faire une interview bisounours. Alors, la dernière fois où vous avez pleuré? Je crois la première fois que je suis allé à l'école, je crois. Ah ouais. Après, j'ai plus pleuré après. À quel âge devez-vous faire votre corps à une jeune fille, Kaaris? C'est personnel, ça. Ouais. Quel âge? C'était très tôt. Très tôt? Ouais. 13 ans. J'étais déjà musclé comme ça. Ouais. 13 ans. Vous avez vu Belle et Sébastien? Non. Ah, vous devriez, ça vous plairait. Il est beau, le chien. Pour vous, c'est quoi la soirée idéale à deux? À deux? À deux. Dans une voiture, avec un gros joint. Ah oui. Quelle est la chose la plus romantique que vous ayez faite dans votre vie? Je vais faire des fleurs à ma mère. Ah, très bien. Il aime sa mère. Vraiment, oui. Vous entendez mieux avec les gens de quel signe? Astrologique? Je crois pas, ça. Il n'y a rien à faire. Vous aimez les petits chatons sur Internet? Pas sur Internet, mais en vrai, ouais. En vrai, vous aimez bien les petits chats? Ouais, vous aimez bien Francis Cabrel et les petits chats. Alors, vous l'appellerez comment, votre premier bébé? Souleymane, peut-être. Dans les bras de qui vous sentez-vous le mieux? Dans les bras de Morphée. Ah, pudique. Bien joué. Vous avez quelque chose à dire à votre maman, là? Je vais venir la voir après. Ah, vous y allez souvent? Non, bien sûr, il faut. Tous les jours? C'est super important. Ah, on en a qu'une. Il n'y en a que. Ouais. Oh, mais c'est bien. Très bien, c'était l'interview bisounours. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacco. Et c'est le directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Nicolas Domenach, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question, est-ce le retour de la droite la plus bête du monde? Hollande et son gouvernement battent des records d'impopularité. Du coup, la droite se sent pousser des ailes. N'importe quel gouvernement qui serait aux commandes aujourd'hui en France ferait mieux que le gouvernement actuel. L'opposition s'y voit déjà, pourtant, près de 60% des Français estiment que si elle était au pouvoir, la droite ne ferait pas mieux que la gauche. Alors pourquoi l'UMP inspire si peu confiance aux Français? Le problème, c'est qu'en France, nous avons la droite la plus bête du monde. Voilà. En 98, le RPR avait même inscrit ce slogan sur une affiche pour dénoncer les querelles internes au parti. 15 ans plus tard, le combat des chefs fait toujours rage. Depuis que François Hollande est élu, l'UMP se déchire pour savoir qui sera candidat en 2017. Dès 2012, c'est Copé et Fillon qui se disputaient la tête du parti sur la place publique, à coups d'insultes et d'élections truquées. Ce spectacle est lamentable. De son côté, Sarkozy a très vite renié ses promesses d'abandonner la politique. Depuis des mois, il multiplie les apparitions publiques pour alimenter le feuilleton de son retour. Là où la mer est passée, elle revient. 70% des sympathisants de droite voudraient que Sarkozy puisse prendre sa revanche sur Hollande en 2017 sans avoir à se présenter aux primaires de l'UMP. Ce n'est pas du goût de Juppé, Le Maire et Bertrand qui, au contraire, veulent organiser les primaires pour pouvoir s'y présenter. Et la politique dans tout ça? Eh bien, difficile de croire à la sincérité des leaders de l'UMP. Début février, Copé a refusé de défiler à la manif pour tous. Mais quand 100 000 personnes ont manifesté, d'un coup, il est devenu le champion de la lutte contre la théorie du genre. Officiellement, l'UMP a pourtant un programme. Sauf que lors du Conseil national qui l'a approuvé, François Barouin a voté contre, Alain Juppé l'a jugé trop libéral, tandis qu'Henri Guaino a écrit à Copé que ce programme était à désespérer. Moi, je suis assez ébranlé, je dois dire, par la manière dont ma propre famille politique fonctionne. Alors bien sûr, ça ne va pas fort pour la gauche, mais la droite la plus bête du monde met tellement de cœur à s'entre-déchirer que ça laisse un petit espoir à la gauche pour 2017. Voilà, c'était l'édito de Blacco, mise en image de Julien Grappe. Bravo. Nicolas Domenach, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On vous retrouve dans la nouvelle édition, tous les midis sur Canal, face à Éric Zemmour sur iTélé, donc dans Ça se dispute. Bienvenue parmi nous. Voilà, alors est-ce le retour de la droite la plus bête du monde, qui est une expression, il faut le dire, de Guy Mollet, pour rendre à César. Force est de constater que malgré le boulevard que lui offrent Hollande et Hérault, la droite ne profite pas du tout de l'aubaine. Alors, la plaie de l'élection à la présidence de l'UMP, on n'a pas le sentiment qu'elle soit vraiment refermée, Henri Guaino. Non, je croyais que l'UMP était en voie de guérison, mais j'ai l'impression qu'elle a encore... Même convalescence devant elle. Et enfin, pour répondre plus directement à la question, oui, il y a un risque. Oui, il y a un risque que la droite la plus bête du monde revienne. On a déjà la gauche la plus bête du monde. Et dans cette concurrence... Et le centre le plus bête du monde. Non, mais dans cette concurrence effrénée, oui, il y a un risque. Il y a un risque. Parce que nous vivons dans une période de crise, de tension, de colère. On en parlait tout à l'heure, où la tentation de tous, c'est de faire la politique du slogan. Hein, plus une idée simpliste... Et mieux ça marche, plus c'est comme dirait Kaaris. À ce jeu-là, on devient très vite bête, à droite comme à gauche. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de programme. Copé, il nous fait les pains au chocolat et tout ça poil. Mais en fait, on ne sait pas ce que la droite propose sur la dette, sur la croissance, sur le chômage, non, Nicolas? Et pourquoi elle est totalement inaudible? C'est parce qu'elle croit qu'elle n'a pas perdu l'élection présidentielle. Elle croit que Hollande a gagné par effraction. Elle le dit, qu'il est illégitime. Oui, et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy... contre concours de circonstances. Oui, Nicolas Sarkozy, il dit « j'ai perdu très peu hein ». Voilà, il y aurait quelques jours de plus. Voilà, donc au fond, il empêche que la droite se refonde, qu'elle se repense, qu'elle propose quelque chose. Et on a eu ce lamentable épisode que vous aviez évoqué tout à l'heure de la triche à la tête de l'UMP entre Copé et Fillon. Et on a deux ridicules qui se renforcent et s'annulent réciproquement. Du coup, eh ben, c'est effectivement tragique parce que on a, c'est vrai, des branquignoles au pouvoir et puis des lamentables en opposition. La majorité est toujours composée d'imbéciles, la minorité aussi, mais ils sont moins nombreux. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les générations de la résistance, ce sont des gens auxquels l'histoire a forgé ce caractère, ce sens de l'État, de la nation. Voilà, il nous manque peut-être le général de Gaulle. Mais attendez, mais c'est pas la peine de pleurer. Le général de Gaulle, il est mort. Voilà. Vous votez, vous? Non. Non, je vote pas, non. Non, mais si vous votiez, une génération... Ça ne nous parle pas trop, en fait, tout ça. Ouais, on n'a pas l'impression qu'il parle de nous. C'est pas votre cas. Il ne parle pas de nous. Il parle de Général de Gaulle. C'est même pas qui c'est. Ah bah oui, ça... Alors Sarkozy, alors à droite, il y a 70% des gens qui veulent son retour, mais les Français n'en veulent pas à 54%. C'est compliqué quand même, non? Mais c'est toujours compliqué. On essaie de sauver la droite, là, vous voyez. Non, mais c'est compliqué. C'est qu'on d'abord, il ne s'agit pas de sauver la droite, mais si possible de sauver la France. Oui, ça serait mieux encore. Ça serait mieux, voilà. Mais... Sarkozy, il a été président de la République. Bon, c'est toujours difficile, quand on a été président de la République, de revenir. C'est difficile, quand on est descendu de l'Olympe, d'y remonter. Alors, ce qui peut plomber Sarko, quand même, c'est les affaires en cours, quand même. Il y a quand même des affaires... Là, pour l'instant, la plupart des affaires n'ont pas de contenu. Si je peux me permettre, moi, je ne crois pas du tout. Ce qui le plombe... c'est qu'il a fait des promesses, aussi Sarkozy. Il a promis de revaloriser le travail et les travailleurs. Ah bah les travailleurs, à la fin, c'est pas eux qu'on a revalorisé, c'est des plus riches. Et puis il a promis la sécurité, il n'y a pas eu la sécurité. Et donc, comme il croit qu'il n'a pas perdu, ou il veut faire croire, eh ben on ne revient pas sur là-dessus. Là-dessus, on ne remet pas ça en cause. Alors, on continue. On voit qui peut sauver la droite, d'accord? Cherchons bien. Copé, alors Copé, 75% des Français... ont une mauvaise opinion de lui. Est-ce que vous faites partie de ces 75%? Moi, c'est un drame, parce que je l'ai connu il y a plus de 30 ans. Le jeune Copé, jeune, humaniste, généreux. Avec des cheveux. Avec des cheveux aussi, qui jouait du piano debout. Ça m'arrive encore. Mais ce qu'il est devenu, il s'est décopé lui-même, si j'ose dire, la caricature. D'accord, c'est bon. Copé, vous croyez que Copé peut sauver la France? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Oh, je m'en fous. Il s'en fout. Vous? Non, il s'en fout pas du tout. Non. Vous pensez que Copé peut sauver la France? Non. Kaaris, je te demande pas. Moi, pire que lui, je m'en bats les couilles. On continue dans Copé. On voit bien que le leader de l'opposition ne recueille sur ce plateau aucun assentiment. Il n'y a pas de leader de l'opposition aujourd'hui. Voilà. C'est ça la vérité. C'est un problème parce qu'un parti bonapartiste sans Bonaparte, hein, c'est sans tête. Hein, il court comme ça. Et le canard de Robert Lamour. Mais exactement, à l'étranger. Parce que ça tombe pas du ciel. Le canard qui court. Mais parce que ça tombe pas du ciel. À un moment, ça s'impose avec la force de l'évidence. Pour l'instant, c'est le vide et personne ne s'impose avec la force de l'évidence. Alors Fillon, bon bah Fillon, quand il voit la votation en Suisse, il dit c'est super. Puis après, on lui dit, mais fais gaffe, les Français pourront plus aller bosser en Suisse. Il dit, merde, mais c'est pas super. Il s'est cramé, il était l'homme modéré qui, tout d'un coup, s'est rapproché du Front National. Il était de l'homme qui disait, je ne communiquerai pas sur ma vie privée parce que c'est horrible, et Sarkozy l'a fait, etc. Et voilà, qui se montre avec son château, avec sa vaisselle, sa femme, ses enfants, etc. Et on ne sait plus où il est. Si vous voulez, le problème de ces hommes-là, c'est qu'ils sont des artistes de variété un peu ratés. Ouais. Donc, moi, j'ai joué avec le frère de Fillon, qui est un excellent pianiste, en revanche. Ah, c'est drôle. Mais je trouve que c'est un très mauvais violoniste, François Fillon. Le problème est là. Ah, c'est drôle. Donc, on a du mal, parce qu'après, il y a tous les autres. Il y a Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez. Non, mais... Je dis, Henri, vous n'êtes pas le pire. Hein. On s'est sorti comme présentation. Vous voulez dire le meilleur, ça serait plus gentil. Et puis, il faut avoir de l'humilité, parce que chez la plupart de ceux que vous avez cités, il y a une arrogance. Ouais. Toujours, le pouvoir doit nous revenir comme par de droit divin. Souvenez-vous de ce qu'avait fait Chirac à un moment, quand tout allait très mal. Il est parti en province, et puis il allait voir les gens, et puis il s'imprégnait comme ça. Il y avait de ce côté-là une façon de se ressourcer, dont tous ceux qu'on a évoqués ne sont pas vraiment capables pour l'instant. Alors le FN, ce qui est très marrant avec le Front National, c'est qu'au départ, Sarkozy avait siphonné les voix du Front National. Aujourd'hui, c'est le Front National qui siphonne les voix de l'UMP, non? Oui, il siphonne aussi les voix du Parti Socialiste. Oui, aussi, oui. C'est la crise de tout le monde. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une typartisation de l'électorat de droite? C'est-à-dire, il va de plus en plus vers la droite. Moi, je trouve que le gouvernement et le pouvoir ont une stratégie assez cynique pour cristalliser un petit parti à la française. Si vous faites de la provocation tous les jours, dans une société en crise, sur des questions qui ont un rapport avec les institutions et les principes qui nous permettent de vivre ensemble... Pas vous étonner de voir se radicaliser en contrepartie ceux qui y tiennent absolument. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Guaino, à chacun ses responsabilités. Il y a le pouvoir, il y a la droite. Je veux dire, on ne peut pas être à la fois Malraux et Sarah Palin. Vous avez été complice de tous ces gens-là. Hein, vous n'avez pas voulu leur apporter un discours de générosité pour contrebalancer leur repli et leur peur. Et vous avez laissé s'enquister sur votre flanc droit une puissance qui, comme aux États-Unis, vous empêchera de reprendre le pouvoir. On peut vous empêcher de reprendre le pouvoir. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça, c'est une... Mais c'est votre responsabilité. Non, ça, c'est une façon irresponsable d'engager le débat politique. Parce que ça consiste à démonétiser, à disqualifier moralement l'autre. Moi, je n'ai pas peur. Simplement, je ne veux pas d'une société dans laquelle on ira devant les tribunaux pour savoir si, comme ça se passe dans certains États américains, le droit de l'enfant doit primer sur le contrat ou le contrat sur le droit de l'enfant. J'ai le droit. J'ai le droit moralement. Et ma position n'est pas moralement inférieure à la vôtre. Voilà. Ce que je lui dis, c'est qu'ils ont laissé se développer sur le front droit une force d'hostilité à tout ce qui peut être ouverture et humaniste, et que ce qui fait que, ben voilà, vous avez des tas de gens qui, par exemple, téléphonent aux bibliothèques, font l'inspection des livres qui méritent de figurer pour les enfants, vous voulez les chasser, et que vous avez là un problème que vous ne réglerez pas d'ici les prochains mois. Je vais vous rassurer, quand j'ai dit que le jour de colère était une manifestation scandaleuse, parce qu'on y disait à bas les homosexuels, à bas les juifs, à bas les francs-maçons, et que j'ai trouvé ça absolument nauséabond, j'ai reçu des centaines de mails d'insultes. Moi aussi, je ne laisse rien se développer. Ceux qui jouent avec le feu se brûleront comme les autres. Très bien. Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le Zappé, Gaspard Proust et notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Lucienne Moreau, la mamie du Petit Journal, devenue Star Télé et Radio Star à 80 ans. A tout de suite. Re-bonsoir les terriens, re-bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Isabelle Iturburu, Bernard Lavilliers, Henri Guaino, Kaaris, et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Lucienne Moreau. Alors Lucienne Moreau, bonsoir. La population vieillit. ces stars aussi, la preuve, Lucienne. Aujourd'hui, tout le monde connaît cette vieille dame au look déjanté, définitivement punk, devenue l'égérie du Petit Journal à plus de 75 ans. Mais qui êtes-vous, Lucienne? D'où venez-vous? Qui étiez-vous avant de faire marrer les bobos de la Fashion Week? Vous nous raconterez votre histoire à 20 h. Dans un instant, Gaspard Proust, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Salut Gaspard. Ça va? Ouais. On a bien débattu, on s'est... Ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, merci d'avoir fait ma première partie avant d'arriver. Je suis vraiment... Bah oui. Parce que je vous suis, hein. Moi j'ai suivi ce que vous avez fait, enfin, c'est pas parce que je suis payé pour dire des conneries que je devrais m'abstenir d'écouter celles qu'on débite avant mon arrivée. J'arbitre, j'analyse, je distribue les bons points et je crois que c'est la première fois qu'un plateau me touche autant. Parce que je sens un plateau affectif, hein. On reçoit des écorchés vifs, Lavilliers, Iturburu, Guaino. Hein. Lavilliers quand même c'est extraordinaire, c'est le seul poète musicien français qui est capable de penser aux fourneaux de Florange et d'en faire une bossa nova, quoi. Ouais. C'est vrai. Bon, en revanche, Kaaris, moi, je ne savais pas qui vous étiez. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, généralement, quand je ne connais pas l'invité, 9 fois sur 10, il fait du rap. Et... voilà. Mais... De toute façon, ce n'est pas les sujets de la semaine. Les sujets de la semaine, c'est quoi? C'est Manif à Nantes. Ah oui. Ouais, quelle tristesse. Quelle... Mais où va le monde? Des punks qui s'opposent à la construction d'un aéroport, quoi, mais... Qu'est-ce que c'est que ces punks pétris de colère agricole? Enfin, je... Ah non, non, nous, on veut pas que les avions, ils passent sur notre potager, hein, parce qu'on a planté de la ganja, des brocolis. Si on met une piste au milieu, comment qu'on va faire pour cultiver tout ça? Bah, ça va être pratique, hein, ça va faire du bruit. Hein. C'est les punks de province, c'est vraiment Madame Michu avec une crête d'Iroquois, quoi. C'est un truc... En tout cas, cette histoire, ça prouve les ravages de la théorie du genre sur les gauchistes. Ouais. Et Guaino ne contredira pas. Ouais. Ah bah, c'est... Quel homme censé s'opposerait à l'arrivée massive d'hôtesses de l'air sur un territoire où la débauche se résume à sodomiser une chèvre lorsque le voisin a le dos tourné? Enfin, un peu d'hédonisme. En tout cas, cette affaire a fait boule de neige. Il y a Duflol maintenant qui soutient les manifestants à Nantes. Bon, qu'un vert se mobilise contre un aéroport, c'est logique. Hein. L'avion, ça symbolise quand même le XXe siècle. Je veux dire, à l'heure de la piste cyclable, quelle hérésie, hein. Hein. Et toute la classe politique est sortie avec cette phrase de chevènement. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Mais enfin, Duflol, est-ce vraiment un ministre? C'est pas un ministre, c'est de la déco qui parle. Moi, je les trouve utiles, en tout cas, les Verts. C'est vraiment, c'est un défouloir. Europe Écologie, c'est un peu le cousin dont on a honte sur la photo de famille, mais qu'on prend plaisir à humilier à chaque repas. Tu sais? Les Verts, ça apporte beaucoup de confiance au gouvernement, c'est la fonction du cancre. Grâce à lui, même les gens médiocres se disent « En fait, je suis pas mal. » De toute façon, des Verts au gouvernement, il n'y a que ça, hein. Malgré 2 ans d'exercice de pouvoir. C'est quand même le seul gouvernement qui a traversé 2 printemps sans qu'on ait jamais vu un bourgeon éclore. Sinon, politique, Made in France, cette semaine, Montebourg a débattu avec Marine Le Pen. Alors, comme prévu, il lui a ressorti... les casseroles sur le papa, tout ça. Bon, comme elle lui colle au cul, on voit que c'est pas du Tefal. Hein. Enfin, Montebourg a prétendu que Le Pen père avait fait l'apologie de la Gestapo. C'est vrai que c'est pas bien. C'est pas bien. Mais au moins, on pourra pas lui reprocher un certain manque de courage, quoi. Ouais. C'est-à-dire, pour une fois qu'un homme politique prend aussi la défense des perdants... Non, mais c'est vrai, si vous n'allez que vers ceux qui vous ressemblent, qu'avez-vous accompli de si extraordinaire, comme disait Jésus, tu sais, notre Mohamed sans allergie alimentaire. Voilà, c'est... En tout cas, le FN fait peur. Tout le monde est... Il pourrait conquérir des villes, Forbach, Béziers, Beaumont. C'est vrai que c'est des lieux super importants. Hein. Ah, la France s'est fait là-bas. Hein. C'est bien que l'histoire s'est jouée à Forbach, je veux dire. Bah oui, si on parle du traité d'Yalta, c'est juste pour pas humilier les Allemands. Hein. Je parlerai même pas du pacte de Varsovie, tout le monde sait que ça a été signé à Béziers, enfin bon. Vous en avez parlé un peu, les sondages, Hollande est à 16%. Bon, il tombera pas plus bas. Alors, comme disait mon dentiste, si on va plus profond, on touche la pomme d'Adam. Ukraine, un peu international, oui. Je suis un peu déçu des événements là-bas. Hein. Non, mais moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent les Ukrainiens. Je comprends pas ce peuple. L'Europe leur propose 600 millions. La Russie propose 15 milliards et eux, ils veulent aller en Europe. Là, on tient un scoop. Là, on vient de découvrir le premier peuple qui serait susceptible de nager vers Lampedusa dans le but de rejoindre les côtes tunisiennes. Non, parce que l'opposition, il paraît qu'il y a des néo-nazis dans l'opposition. Ils ont dû bien se marrer quand ils ont vu BHL sur une barricade. Ils sont dit... bon, tant que ça lui donne pas des idées de films, hein, après la liste de Schindler, la liste de BHL, ouais. L'histoire d'un intellectuel juif du début du 21e siècle qui décide de sauver des nationalistes nazis des griffes d'un apparatchik pro-russe. Tu sais. Remaniement. 4 noms reviennent en boucle. Bartolone, Aubry, Fabius, Valls. Le point commun de tous ces premiers ministrables, ils sont lions. Ah. Comme Hollande. Ah. C'est passionnant, hein? Ouais. Algérie. Alors, à 78 ans, Bouteflika va postuler pour un 4e mandat. Comme quoi, ce monde n'a pas fini d'humilier Giscard. Hein. Enfin, bonne nouvelle, parce qu'il faut quand même terminer sur le toujours positif, bien entendu. Bah, bien sûr. L'Allemagne a explosé les chiffres du commerce extérieur. Au même moment, François Hollande décide de faire entrer 5 résistants au Panthéon. Ah ouais. On se mange comme on peut. Alors, pas belle la vie. J'étais Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15 h sur Canal et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20 h. Lucienne Moreau, rebonsoir. Alors, vous êtes née le 17 février 1933 à Rénazé, en Mayenne. Vos parents étaient paysans. Et chez les Moreau, comme chez les Ingalls, tous les enfants mettent la main à la pâte pour faire tourner la ferme. Oui, tout à fait. Vous dites, on était pauvres, mais heureux. Ah oui, ça, on était heureux. Alors, en 1939, vous avez 6 ans. Et c'est la guerre. Mais votre père, Alphonse Moreau, gloire lui soit rendue, qui a fait 14-18, vous rassure. Ah bah oui. C'est-à-dire quand vous voyez les avions, vous ne savez pas trop ce que c'est, les Stuka, vous. Ah oui. Quand vous voyez les avions dans le ciel, votre père, Alphonse, lui, connaît la guerre déjà. Oui, oui, il nous soutenait, quoi, en fait. Ouais. Oui. Il avait tellement vu de choses que... Voilà. Ouais. Alors, Alphonse, il cache des gens, il nourrit des gens... Oui. Mais jamais de marché noir. Jamais. Vous rendez service, c'est tout. Voilà. Alors, votre père mourra à cause du gaz moutarde. Oui. Parce qu'il avait fait la guerre de 14-18. Dans les tranchées, il avait été intoxiqué au gaz moutarde, qui est interdit d'ailleurs aujourd'hui. Il mourra à 55 ans, ce qui est très jeune. Et vous, à l'époque, vous avez 9 ans. Oui. À cause de la guerre. À cause de la guerre, bah oui. Ça ne devrait pas exister, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Alors, au certificat d'études, dans votre canton, vous êtes 4e sur 200. Oui. C'est bien. Oui. Vous voulez devenir professeur? Bah, j'aurais aimé, mais nous, on était nombreux et tout. Ma mère étant restée seule, il fallait qu'on travaille, quoi. Ouais. Voilà. Je n'ai pas pu faire de longues études, quoi. Voilà. Ouais. Alors, vous retournez au champ. Vous vous mariez à 19 ans, vous faites un premier enfant. Oui. Et au 2e enfant... vous réalisez que ces histoires de ferme, ça ne va pas vous rapporter beaucoup d'argent, hein? C'est vrai. Ça ne paye pas. Ben non, c'était beaucoup de travail pour ce que ça rapportait, ouais, quoi. Ouais. Voilà. Et là, vous ouvrez une épicerie. Oui. Et vous ouvrez un bar. À Laval. À Laval. Mais dites-moi, vous faites 1 m 52, vous? Quelque chose comme ça, oui, hein. 52 ou 53. Disons 53 pour vous faire plaisir, Lucienne. Mais... quand il y avait de la baston dans le bar, là, vous faisiez comment, alors? Ah, ben, moi, j'étais énergique, hein. Ah, ouais. Fallait faire la part des choses, hein. Ouais. Celui-là, il y avait trop, il fallait qu'il aille. Ah, vous sortiez les gens? Tout à fait. Avec votre 1 m 52, quoi. Oui, oui. La grandeur ne veut pas dire grand-chose. Alors ensuite, vous remariez avec un Tunisien. Oui. Vous partez vous installer à Lille. Vous travaillez dans le textile. Mm-hmm. Mais là, les entreprises ferment. Ben oui, déjà, à cette époque-là, ça commençait à... Ça commençait à aller mal. Là. Voilà. Et là, vous devenez infirmière, en fait. Ben oui, sans diplôme, parce qu'on n'avait pas de diplôme. Mais à cette époque-là, ça marchait comme ça. Oui, oui, oui. Et alors, ça marche très bien pour vous. Parce que quand vous êtes infirmière, votre sympathie et votre sens de l'humour fonctionnent très bien. Oui. Hein, il y a une bonne femme qui s'appelle Madame Menu. C'est une grosse. Oui, je lui ai dit que son nom ne lui convenait pas. Alors le seul problème, hein, c'est que votre ex-mari numéro 2, là, le Tunisien, il repart en Tunisie avec les enfants. Ben, oui, c'était un peu compliqué ma vie quand même. Hein. Il faudra 8 ans avant que les enfants reviennent en France. Oui. Hein. Et vous, évidemment, vous allez souvent en Tunisie, donc ça vous coûte de l'argent. Ah, oui, ça c'est sûr. Plus les avocats. Oui, tout ça. Ah, c'est vraiment la crise. Et donc, vous devenez veilleuse de nuit dans un hôpital à ce moment-là. Voilà, quand je suis redescendue chez moi. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis, le 1er mai 1987, vous prenez votre retraite. Oui. Et là, vous découvrez que vous avez 800 € par mois. Ça va pas chercher loin, quoi. C'est un sale moment, ça. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec 800 € par mois? Rien. Pas grand-chose. Alors là, vous faites des ménages. Oui, je garde des enfants. Voilà. Oui. Et vous faites un petit supplément, quoi. Voilà. Et puis c'est là, entre deux, que j'ai téléphoné à cette annonce-là. Pour... Et voilà. Un jour, il y a une petite annonce d'un journal. Recherche, figuration. Voilà. Alors vous dites, pourquoi pas? Bah, c'est là vous êtes génial, quand même. Ah oui, tout ça, j'ai toujours provoqué mon travail, moi. Vous allez faire de la figuration. À l'époque, c'est pour l'ouverture de la ligne du RER E. Ouais. Vous avez 67 ans à l'époque. Hein. Oui. Et vous faites de la figuration pour l'inauguration de la ligne. Voilà. C'était bien, d'ailleurs. Bah oui, vous dites, c'est marrant ce boulot, on est payé pour s'amuser, quoi. Oui, pour moi, c'était ça par rapport au travail que j'ai fait avant. Bien sûr. Alors là, vous êtes repéré par nos amis de Groland, de Canal+, et vous dites, pourquoi pas? À une condition, c'est que vous refusez le nudisme, Lucienne. C'est dommage, mais bon, voilà. Et là, c'est le début de la célébrité. Vous devenez une femme d'affaires, hein. Vous adaptez très vite au show business, vous gérez vos contrats, vous avez un assistant. Oui. De 2010 à 2012, Le Petit Journal de Yann Barthès et Laurent Bon ne jure que par vous. Ah oui. Vous devenez la Régérie. Tout à fait. Là, vous affirmez comme une vraie punk. D'ailleurs, vous avez le blouson, là, c'est... Je suis restée en tenue, puisque j'ai fait le tournage aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de me changer, donc je suis restée comme j'étais. Avec les bottes de motard, en plus. Et là, donc, vous êtes une vedette, vous passez vos soirées avec Jean-Paul Gaultier. Ah bah... Il est sympa, Jean-Paul. Trop. Ah oui, vraiment. Il est sympa. Chouette. Ouais. Il vous a pas encore fait défiler, mais... Bah, ça va venir, ça va venir. Ouais, je pense. Je pense que vous allez défiler pour Jean-Paul. C'est normal. Après Naomi Campbell. Et puis, vous allez au Festival de Cannes, aussi. Ah oui, ça, c'était vraiment... Là, super, hein. Ouais. On rencontre des choses que je n'aurais jamais vues autrement, quoi. Bien sûr. Vous avez monté les marches? Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Vous avez fait des soirées à Cannes un peu chaudes à... Oui, principalement une, oui. Ah oui. Oh oui. Avec de l'alcool, des pétards et de la cocaïne, Lucienne? Non. J'ai pas cherché la cocaïne, mais c'était une belle soirée, en tout cas. Ah oui, d'accord. Alors, vous faites aussi la Vogue Fashion Night, déguisée en Lagerfeld. Alors, quand vous voyez Lisa Razou, vous dites, celui-là, j'en ferai bien mon 4 heures, hein. Je peux lui présenter, hein, si elle veut. Ah, vous le connaissez? Oui, oui. Il faut lui présenter, bah oui. Ah oui, c'est vrai, c'est un Basque. Oui. Vous le connaissez pas, Lisa Razou? Un peu. Ça peut s'arranger, Lucienne. Vous êtes dans le bon endroit, ici. On regarde. Notre Lucienne nationale de retour dans Le Petit Journal. Salut, Lucienne, à la Vogue Fashion Night. Oui, Yann. Ce soir, c'est la Vague Fashion Nit. Ouais, okay, ouais. Bon. Allez, hop, Lucienne. Champagne, star, mannequin ou encore PDG de Dior, vous allez tout voir dans le Lucienne Live Report à la Vogue Fashion Night. Oh, mais quel look d'enfer! Mais c'est Carla Derfeld. Là, vous avez une place folle. Oh, celui-là, tu sais, je m'en ferais bien mon 4 heures, hein. T'es trop grande. Je suis obligée de prendre une échelle, t'es trop grande. C'est un peu drôle vos histoires là. Quelles histoires? C'est un peu moche quoi tout ça. Alors la seule qui n'était pas très sympa, c'est Bernadette Chirac. Hein. Elle est spéciale, quoi. Oui. Sinon, à part ça, vous signez des autographes toute la journée. Oui. Et alors, Lucienne, cette nouvelle vie, vous la kiffez à donf. Oui, ça déchire. Ça déchire. Et là, à 81 ans, vous attaquez une nouvelle carrière radio. Un courrier du cœur très chaud, hein, très chaud, sur Virgin Radio. Et la nuit, vous faites la fête, hein, ça... Vous couchez tard? Un peu. Ouais. Vous faites la teuf toute la nuit. Alors, vous avez une phrase que j'adore, vous dites « La vie est belle quand on sait l'employer, je vais vivre au moins jusqu'à 100 ans. » Ah oui. Ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tous les cas. Alors demain, c'est la fête des grands-mères et je dois vous dire que tout le monde voudrait avoir une grand-mère comme vous, Lucienne, vraiment. Vraiment. Bravo, merci. C'est un bonheur. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Isabelle Iturburu pour le rugby sur Canal, avec notamment Jour de Rugby le samedi à 22h35. Bernard Lavilliers, l'album s'appelle Baron Samedi, et vous êtes en tournée dans toute la France, Bernard, voilà. Très heureux de vous avoir eu. Henri Guaino, député UMP des Yvelines, merci. Kaaris, sortie de Or Noir partout le 3 mars, en tournée dans toute la France, merci de votre présence. Nicolas Domenach, de Canal+, de iTélé et de Marianne. Lucienne Moreau, merci Lucienne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Hollande. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacco, les meilleures interviews formatées et Gaspard Proust. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.